Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs. Et je suis le frère Christ. C'est toujours un réel plaisir d'être chez vous, d'être parmi vous, d'être avec vous. Nous sommes bien sûr sur la chaîne Réveil TV et c'est l'émission Réveillez-vous. Donc, comme vous connaissez déjà un peu le principe, le but de ces émissions, c'est de nous encourager, c'est de nous aider à persévérer, à tenir dans la foi chrétienne. Parce que comme vous savez, la fin de toutes choses est proche. Nous n'avons pas de prétention d'être les meilleurs, mais nous essayons par la grâce de Dieu d'apporter ce que Dieu met dans nos cœurs. Donc sans plus tarder, on va rendre grâce à Dieu pour ce temps et puis on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit. Merci encore pour la chaîne de télévision Réveil TV. Merci pour les frères et sœurs qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour les nations, pour les frères et sœurs qui suivront cette émission. Ma prière encore, ô Dieu, c'est que ton esprit nous enseigne, c'est que tu nous encourages, c'est que tu nous fortifies, c'est que tu nous aides à persévérer, à t'aimer. Que toute la gloire te revienne encore au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, c'est l'émission Réveillez-vous. Et ce soir, par la grâce de Dieu, on va encore partager les Écritures. Et tout à l'heure, durant la journée, pendant que je méditais un peu, voilà, que j'étais dans la présence de Dieu, et le Seigneur me mettait une pensée par rapport au type d'homme, par rapport aux différents types d'hommes. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, on va un peu parler des différents types d'hommes. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Donc on va un peu parler des différents types d'hommes, voilà. Et je crois que chacun de nous se retrouvera. Voilà. Parce que je pense que la catégorie, n'est-ce pas, dans laquelle on se retrouvera, n'est-ce pas, va déterminer un peu là où on passera notre éternité. Voilà, donc, on est sur les différents types d'hommes. Donc, on est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3 à partir du premier verset. Et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnels. Donc les frères, s'il vous plaît, on va remonter au chapitre 2, verset 14. Donc ici, n'est-ce pas, Paul nous présente trois types d'hommes. Donc verset 14, il nous parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître non plus. En deuxième, n'est-ce pas, verset 15, il nous parle de l'homme spirituel et au chapitre 3, au premier verset, il nous parle de l'homme charnel. Donc notre partage ce soir va s'articuler autour de ces trois catégories de personnes. Donc on remonte au chapitre 2, verset 14. Donc le premier type d'homme, n'est-ce pas, dont nous allons parler, c'est l'homme animal ou l'homme naturel. Ici, l'homme naturel, c'est qui? C'est cet homme, cette personne, homme ou femme, né, issu d'un père et d'une mère, n'est-ce pas, à qui la nature du péché est communiquée par la naissance naturelle. Donc l'homme animal ici fait référence à l'homme naturel, à l'homme sans Christ. Donc ici, on apprend que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc une caractéristique de l'homme naturel, de l'homme animal, c'est qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que comme Paul le dit ici, les choses de l'Esprit sont une folie pour lui. Voilà. Pourquoi? Parce que il est animal, il est naturel, n'est-ce pas? Il est pécheur. L'homme animal, c'est l'homme naturel, c'est l'homme pécheur. Pécheur d'abord pas parce que
Il aurait menti, volé, triché, escroqué, mais pécheur par nature. Voilà. Donc l'homme animal, n'est-ce pas, nous parle de l'homme, nous parle de la nature adamique, de la nature du péché. Et cette nature, n'est-ce pas, on l'acquiert par naissance naturelle. Donc ici, la première catégorie de personnes, ou le premier type d'homme dont la Bible nous parle, c'est l'homme naturel, l'homme animal. Alors on apprend ici que l'homme animal, n'est-ce pas, il est séparé de Dieu. N'est-ce pas? On va prendre un passage comme ça dans Éphésiens. Donc on est dans Éphésiens, n'est-ce pas? Chapitre 4. On est dans Éphésiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 17. Donc lorsqu'on parle de l'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est l'homme pécheur. C'est cette personne qui est séparée de Dieu. Voilà. Donc, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le reste des nations qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Donc on va remonter au verset 17. Donc ici on apprend que l'homme naturel, n'est-ce pas, marche selon la vanité de leurs pensées. N'est-ce pas? L'homme naturel, l'homme animal marche selon la vanité de ses pensées. Donc ici Paul nous présente l'homme naturel, l'homme animal. Et l'une des caractéristiques de l'homme animal, c'est qu'il marche selon la vanité de ses pensées. Deuxième caractéristique qu'on apprend ici, verset 18, c'est que l'homme animal a l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Voilà. Une autre caractéristique de l'homme animal, c'est quoi? C'est qu'il est étranger à la vie de Dieu. Donc vous voyez, frère, l'homme naturel, comme on l'a vu, l'homme animal, cet homme qui est né d'un homme et d'une femme. Il est né dans le péché, il a la nature adamique en lui. Et la caractéristique ou les caractéristiques de cet homme, c'est que, un, comme on l'a vu là-bas, n'est-ce pas, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ce qu'on apprend encore ici, c'est que l'homme animal, n'est-ce pas, a l'intelligence obscurcie. L'homme animal marche selon la vanité de ses pensées. Par exemple, vous avez ces hommes, ces pères de famille, qui mettent des enfants au monde, qui violent ces enfants, qui font du mal à ces enfants, n'est-ce pas? Ils sont considérés que sont la parole de Dieu comme des hommes animaux. Pourquoi? Parce que leur intelligence est obscurcie. L'homme animal nous parle de l'homme pécheur. L'homme animal, l'homme naturel, n'est-ce pas, nous parle de cet homme qui est séparé de Dieu. Pourquoi il est séparé de Dieu? C'est à cause de la vie qu'il mène. L'homme animal ici nous parle de cet homme qui est étranger à la vie de Dieu. Et Paul 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas, nous a appris qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est animal. Alors, pourquoi Paul ici nous présente l'homme pécheur, l'homme normal, l'homme naturel comme l'homme animal? Justement à cause de la bestialité de l'homme. Regardez les caractéristiques. Regardez un peu de nos jours. Comment ces hommes se comportent? On est dans l'homosexualité, on est dans le lesbianisme, on est dans la pédophilie, on est dans l'ivrognerie. Ça, c'est les caractéristiques de la bestialité. On est dans l'échangisme, n'est-ce pas? On a plusieurs partenaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a des hommes même qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Voici pourquoi, n'est-ce pas, Paul nous présente l'homme normal, l'homme naturel, comme étant l'homme animal, à cause de sa nature. Quelle est la caractéristique d'un animal? C'est qu'il agit sans réfléchir. L'animal, n'est-ce pas, agit par ses, on va dire quoi? Il n'agit pas par intelligence. Il agit par bestialité, il agit, je veux dire quoi, par sentiment, par ressentiment. L'animal, n'est-ce pas, agit par instinct. Merci Seigneur, c'était l'expression que je cherchais. L'animal agit par instinct. Et
Si Paul présente l'homme naturel comme l'homme animal, c'est justement parce que l'homme pécheur agit sans réfléchir. Quand aujourd'hui on trouve des hommes, n'est-ce pas, qui légalisent l'homosexualité, quand aujourd'hui, n'est-ce pas, on trouve des hommes qui se plaisent dans le péché, dans, n'est-ce pas, la violence, dans la haine, dans la sorcellerie, n'est-ce pas, on comprend que ces hommes agissent par instinct. Ils agissent pourquoi? Parce qu'ils agissent ainsi parce que leur intelligence est obscurcie. Ça, c'est le premier type d'homme, l'homme animal. L'homme animal ici, je viens de le préciser, on ne traite pas les hommes d'animaux. Alléluia. Voilà. Mais ici, Paul nous présente l'homme naturel, l'homme pécheur, comme l'homme animal à cause de la nature humaine. Regardez aujourd'hui, dans ces pays tels que le Congo RDC, n'est-ce pas, le Congo RDC, tels que ces pays africains, européens, occidentaux, n'est-ce pas, où il y a des crimes rituels, où il y a des meurtres, où il y a des assassinats, là où des femmes sont éventrées, là où des bébés sont violés. Humainement parlant, n'est-ce pas, l'homme, dans son bon sens, ne peut pas agir ainsi. Ça n'a fait besoin d'agir justement, c'est parce que c'est la nature bestiale de l'homme, c'est la bestialité, c'est l'animalité de l'homme, c'est l'homme animal. Parce que qu'est-ce qu'on touche les animaux, n'est-ce pas? C'est la loi du plus fort. Qu'est-ce qu'on touche les animaux, n'est-ce pas? C'est la violence. Les animaux, n'est-ce pas? On trouve quoi? Les carnivores. Et c'est la même chose qu'on retouche l'homme. Lorsqu'on a une position élevée, qu'est-ce qu'on fait? On écrase le peuple. C'est la tyrannie. Et ça, là, c'est le caractère de l'homme naturel, de l'homme animal. L'homme animal, n'est-ce pas, ne pense pas à son prochain. Il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à ses intérêts. C'est ça la nature humaine, la bestialité. C'est ça la nature humaine. On a pris Dieu, n'est-ce pas? On l'a mis en dehors de ce qu'on fait. Donc ici, le chapitre 4, le verset, à partir du verset 17, Paul nous précise une chose. Ephésiens chapitre 4, verset 17, on va le relire s'il vous plaît, frère. Dis voici donc ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le reste des nations qui marchent dans la vanité de leur pensée. Le reste des nations, si nous parlons des nations païennes. Les nations païennes, c'est des nations qui sont étrangères à la vie de Dieu. Voilà. Donc le reste des nations marche comme sur la vanité de leur pensée. Et c'est quoi une pensée? Et qu'est-ce que Paul ici considère comme des pensées, n'est-ce pas? Comme des pensées vaniteuses. Une pensée, n'est-ce pas, vaniteuse, ou la vanité des pensées, c'est quoi? C'est ces pensées, n'est-ce pas, qui sont éphémères. Ce sont des pensées, n'est-ce pas, qui ne sont pas éternelles. Ce sont des pensées qui sont passagères. Donc ici, l'homme naturel ou l'homme animal, il fait des choses, mais qui ne sont pas éternelles. Il vit dans le désordre. Il ne pense pas à l'éternité. Ces pensées, n'est-ce pas, Paul, il ne fait pas, des nations qui marchent dans la vanité, qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce que leur intelligence, ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Alors frère, si ton intelligence est voilée, si ton intelligence est obscurcie, les œuvres et les actions que tu peux poser ne peuvent être que des actions ténébreuses. C'est pourquoi aujourd'hui, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Pourquoi? Parce que ces nations païennes, ces nations, n'est-ce pas, qui n'ont pas Dieu, ont l'intelligence obscurcie. Et l'autre caractéristique, c'est qu'elles sont étrangères à la vie de Dieu. Les nations sont étrangères. Voilà. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ici, Paul nous présente les caractéristiques de l'homme animal. Son cœur est endurci. Son cœur est fermé à la parole de Dieu. Son cœur, n'est-ce pas, est complètement fermé. On peut lui prêcher l'évangile, mais son cœur est fermé. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance et il est obscurci dans les ténèbres. Il va faire des hommes après notre réalité. Ils ont perdu tout sentiment dans l'homme animal. Il a perdu tout sentiment noble.
Donc, ils ont perdu tout sentiment et sont abandonnés. Et se sont abandonnés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. De faire la nature humaine. Ils ont perdu tout sentiment naturel. L'homme animal n'agit pas par bon sens. Il n'a pas la notion du bon sens. Il agit par pulsion. C'est par pulsion qu'on viole. C'est par pulsion, n'est-ce pas, qu'on décide de changer son sexe. Ça, c'est l'homme animal. C'est par pulsion qu'on peut rentrer dans un bar à 15h et sortir le lendemain matin ivre à mort. C'est par pulsion, n'est-ce pas? C'est par bestialité qu'un monsieur, un père de famille, reçoit son salaire à la fin du mois, n'est-ce pas? Il n'arrive pas seul, lui va dans un bar et livre tout son argent. Le lendemain, il n'a plus rien. Voilà l'homme animal. Vous voyez cet homme animal, comme la Bible nous dit, il est étranger à la vie de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a vomi, il a rejeté Dieu. Et on n'est pas un homme animal, n'est-ce pas? Parce qu'on commence d'abord à mentir. On est un homme animal, n'est-ce pas? À cause de la nature adamique. On va prendre un passage comme ça dans Romains. Donc on est dans Romains chapitre 7. Donc on est dans Romains, n'est-ce pas, le chapitre 7. Romains chapitre 7, on va lire à partir du verset 15. Donc, non, excusez-moi, mes frères, on va prendre Romains chapitre 5. À partir du verset 8. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, ferons-nous sauver de la colère par lui. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains par quoi tous péchèrent. On va s'arrêter sur verset 12, mes frères. Donc ici, on apprend que le péché est rentré dans l'humanité par un seul être humain. Ce seul être humain nous parle d'Adam. Ce seul être humain nous parle d'Adam et de Ève, son épouse. Donc c'est pourquoi, comme par un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par quoi tous péchèrent. Donc on apprend ici qu'on est pécheur d'abord par nature. Et ensuite on dit, elle s'est étendue sur tous les hommes, par quoi tous péchèrent. Donc on est d'abord pécheur par nature, parce qu'on hérite de la nature adamique. Donc on apprend que le péché est rendu par un seul homme. Donc c'est par Adam. N'est-ce pas qu'on reçoit la nature animale? La nature animale, ou l'homme animal nous parle de la nature du péché. Amen. Donc j'ai pris ce passage, n'est-ce pas, pour nous vous amener à réaliser que cette nature, on l'acquiert par naissance. Certains disent souvent, non, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais braqué dans une banque, je suis bien éduqué, je suis poli, je ne fais pas du mal, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, je ne suis pas pécheur. Mais si on apprend que, car par un seul être humain, le péché est rentré dans le monde. N'est-ce pas? Et par le péché, la mort s'est étendue à tous les êtres humains. N'est-ce pas? On apprend aussi que parce qu'on a hérité de la nature adamique, n'est-ce pas? On devient pécheur et voici pourquoi on pêche naturellement. Donc, ça, c'est le premier type d'homme, c'est l'homme naturel, l'homme animal, l'homme pécheur. Frère, monsieur, madame, vous qui me regardez, frères et sœurs dans le Seigneur, et même ceux qui ne sont pas du Seigneur encore,
Si nous n'avons jamais reçu Jésus dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, nous sommes, faisons la parole de Dieu, considérés comme des hommes animaux. Parce que l'homme animal, il n'a pas Dieu. L'homme animal n'a jamais rencontré Jésus. L'homme animal, n'est-ce pas, il vit consciemment dans le péché. L'homme animal, n'est-ce pas, il a hérité de cette nature par Adam et Ève, nos ancêtres. Et l'homme animal nous parle de ces trois diversités. Vous savez que l'être humain, n'est-ce pas, l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Amen. Donc l'homme animal, l'homme naturel, l'homme, c'est trois parties. C'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. L'esprit, c'est cette partie, n'est-ce pas, surnaturelle, qui nous met en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la raison. Et le corps, n'est-ce pas, fait partie de cette enveloppe charnelle qui nous met en contact avec la réalité physique. Lorsqu'on parle de l'homme animal, son corps, son âme et son esprit sont séparés de Dieu. Son esprit, n'est-ce pas, son esprit n'a pas été réconcilié avec le Seigneur. Son âme, n'est-ce pas, a des sentiments, a des émotions, n'est-ce pas, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et avec son corps physique, il se livre simplement au péché, il se livre au mal. C'est l'homme animal, l'homme séparé de Dieu. Et comme on l'a vu, frères et sœurs, l'homme animal est étranger à la vie de Dieu. L'homme animal vit dans le péché. L'homme animal a l'intelligence obscurcie. Parce que son intelligence est obscurcie, voici pourquoi il se livre à toutes sortes de vices. Voici pourquoi aujourd'hui on peut retrouver des jeunes filles de 15-16 ans qui ont des rapports sexuels avec des hommes de 50 ans. Parce que humainement parlant, ce n'est pas possible. Une jeune fille de 15 ans, une mineure de 15 ans et un papa de 50 ans, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se faire. Le monsieur a l'âge de son grand-père. Nous voyons parce que l'intelligence de l'homme animal est obscurcie. Voici pourquoi aujourd'hui, il y a ce type de péché. L'inceste dans nos familles. Cousins et cousines, frères et sœurs ont des rapports sexuels ensemble. C'est à cause de l'homme, la nature animale de l'homme. Son intelligence n'est pas renouvelée. Voici pourquoi aujourd'hui, vous avez des jeunes garçons qui ont le courage de violer leurs parents, leur maman. C'est à cause de la nature animale. Et pour être délivré de cette nature animale, il faut rencontrer Jésus. Pour être délivré, n'est-ce pas, de cette nature de péché, cette nature, n'est-ce pas, animale, il faut accepter Jésus. Il faut renoncer au péché. Amen. Donc on va repartir comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va parler du deuxième type d'homme. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas, on a parlé du verset 14. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en train de parler de différents types d'hommes. On a vu, n'est-ce pas, le premier type d'homme, l'homme animal, donc l'homme naturel, l'homme pécheur, qui est séparé de Dieu, qui est étranger à la vie de Dieu, n'est-ce pas, dans l'intelligence est obscurcie. Donc verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 2. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du premier verset. Et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Donc le deuxième type d'homme dont on va s'entretenir, c'est l'homme charnel. Donc on a vu que l'homme naturel, l'homme animal, il est étranger à la vie de Dieu, il est séparé de Dieu, il vit dans le péché, il se plaît à l'intérieur, son intelligence est obscurcie. Deuxième type d'homme, c'est l'homme charnel. Qui est l'homme charnel? Alors, l'homme charnel, c'est cette personne qui est quittée de cette nature animale et qui a fait la rencontre du Seigneur Jésus. Donc l'homme charnel, c'est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui est né de nouveau, qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, qui a renoncé un jour au monde, qui a renoncé un jour, n'est-ce pas, à ces choses auxquelles il était soumis, n'est-ce pas, et qui a renoncé au monde, mais qui après un temps, n'est-ce pas, a recommencé à marcher selon sa chair, a recommencé à marcher selon ses pulsions. Donc l'homme charnel,
C'est un homme qui a reçu Jésus, qui a renoncé au mal, qui a renoncé au péché un jour dans sa vie, mais qui, après être né de nouveau, est reparti à ses vomis. On va prendre un passage. On va d'abord rester dans Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du premier verset. On va lire la suite. Donc, et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, on apprend ici que les hommes charnels sont des enfants en Christ. Je tiens bien à préciser, pas des enfants en Christ ici, dans le contexte, pas des enfants en Christ sous le rapport de la naissance nouvelle. Voilà. Parce qu'on a des enfants en Christ, parlant de naissance nouvelle, parlant de naissance d'en haut, qui naissent à peine. Mais ici, les hommes chers dont ils parlent, ce sont des gens qui ont reçu Jésus, mais qui ne veulent pas grandir. Donc, Paul ici les condamne comme des enfants en Christ. Pas parce qu'ils viennent de naître d'en haut, de nouveau, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils ont une conduite des enfants. Donc, le verset 2 dit: Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas à la manière des humains? Frère, on va s'arrêter ici. Donc ici, c'est quoi les caractéristiques de l'homme charnel? L'homme charnel marche dans les jalousies. Donc, c'est un chrétien, il est né de nouveau, il a accepté Jésus, n'est-ce pas? Mais il vit constamment, il vit selon sa chair. Il vit dans les jalousies, il vit dans les disputes, il vit dans les divisions. Amen. Donc, l'homme charnel, il a certes accepté Jésus, mais il refuse de marcher par l'esprit, il marche selon sa chair. Il marche selon ses sentiments humains. Il dit, vous conduisez à la manière des humains. Donc, à un moment, un homme charnel, un homme animal, il n'y a pas une grande différence. Sinon, la seule différence, c'est que l'homme charnel a reçu Jésus une fois dans sa vie, mais il retourne à ses vomis et que l'homme animal n'a jamais rencontré le Seigneur. Il y a une seule différence. Mais si on suit l'aspect de la conduite, l'homme charnel rejoint l'homme animal, rejoint l'homme humain. Pourquoi? Parce que dans les jalousies, dans les disputes. Verset 4. Car quand l'un dit, moi je suis vraiment de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Parce que sinon le contexte, dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Il y avait un camp qui était pour Apollos, un autre pour Paul, un autre pour Christ. Donc on apprend que la chair, que l'homme charnel, n'est-ce pas, il vit constamment, il vit selon les passions de la chair, de sa chair. On va prendre encore un autre, on va prendre un autre passage dans Romains. Non, 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 Éphésiens, s'il vous plaît, excusez-moi mes frères. On est dans Éphésiens chapitre 4, qu'on a lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 20. On est sur l'homme charnel. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des désirs trompeurs. Ici, nous parlons du vieil homme, de la vieille nature. Donc, ici, on comprend que l'homme charnel, si vous pouvez regarder le passage sur l'écran, on comprend que l'homme charnel, il vit selon sa vieille nature. Il se laisse affecter, n'est-ce pas, par les désirs trompeurs de sa vieille nature. Il a accepté Jésus, mais il ne veut pas crucifier sa chair. Il a accepté Jésus, n'est-ce pas? Mais il veut continuer à se diriger comme il veut, à marcher comme il veut. Donc ici, on apprend qu'il ne veut pas se dépouiller. L'homme charnel ici, il ne veut pas se dépouiller de sa nature précédente, du vieil homme. Parce que ce vieil homme se corrompt sous l'effet des désirs trompeurs. Donc on apprend que l'homme charnel, n'est-ce pas? Il vit selon la chair. Il se soumet à ses pulsions charnelles. On va encore prendre, on va beaucoup lire. On va prendre, prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Donc l'homme charnel, comme on l'a vu, il est né de nouveau, mais il vit selon la chair. Donc, on est dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je vous dis donc,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Verset 18. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère. Donc ici, Paul nous présente les œuvres de la chair. On va regarder le passage sur l'écran. L'homme charnel, n'est-ce pas? Il peut avoir accepté Jésus. Il est marié, mais il vit dans l'adultère. Il trompe sa femme. Les relations sexuelles illicites. Il a accepté Jésus, mais il vit quand même dans l'impudicité. Il vit dans le péché sexuel. Et lorsqu'on va lui dire, mon frère, les rapports sociaux dans l'humain sont condamnés par Dieu, il va dire, c'est écrit où? L'homme charnel, n'est-ce pas, il ne se soumet pas à la parole de Dieu. Donc, les deux de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, la luxure sans bride. Verset 20. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, on va garder au pas sur les colons. Donc, on apprend ici que l'homme charnel ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il désobéit à la parole de Dieu. Parce que l'homme charnel vit dans les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies. Il est dans le péché. Il a accepté Jésus une fois dans sa vie. Mais il a refusé de passer, de marcher par la croix. L'homme charnel, c'est qui? C'est celui qui accepte de passer par la porte large, par le chemin spacieux. Il a accepté Jésus, mais il refuse de marcher sur la porte étroite, sur le chemin resserré. Pourquoi? Parce que l'homme charnel aime la facilité. Quels sont les caractéristiques de l'homme charnel? Il n'aime pas la prière. L'homme charnel n'aime pas la méditation de la parole de Dieu. L'homme charnel, n'est-ce pas, peut faire une semaine, des jours entiers, des semaines sans prier, sans méditer. L'homme charnel aime la télévision. L'homme charnel, n'est-ce pas, il n'aime pas le jeûne. Donc ici, on retrouve l'homme charnel dans l'idolâtrie. Il est idolâtre. C'est quoi l'idolâtrie ici? C'est le fait que quelque chose prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Lorsque quelque chose prend la place de Dieu dans le cœur, cette chose est considérée comme étant une idole. Et beaucoup de chrétiens ont des idoles dans leur cœur. La télévision est une idole pour beaucoup. Les smartphones, les réseaux sociaux sont devenus des idoles. Lorsqu'on comptabilise le nombre d'heures qu'on passe devant sur les réseaux sociaux, qu'on passe devant la télévision, qu'on passe sur notre smartphone, ce n'est pas comparable au temps qu'on passe dans la présence de Dieu. L'homme charnel, il se réveille le matin, il rend grâce à Dieu. La nuit prie avant de dormir, c'est tout. Il n'a pas de relation avec Dieu. L'homme charnel n'a pas de communion avec Dieu. L'homme charnel, il est pour le considérer comme étant un enfant Christ. Pourquoi? Parce qu'il se comporte comme un bébé. L'homme charnel, il n'est pas mature. L'homme charnel, n'est-ce pas, il n'est pas discipliné. On le retrouve dans les désirs que Paul cite ici. L'homme charnel se retrouve dans le Congossa. La haine, la méchanceté, dans les divisions. Il n'aime pas la présence de Dieu, l'homme charnel. Pour l'homme charnel, n'est-ce pas, les chrétiens spirituels abusent. Lorsque l'on croise à aimer Dieu, à se sanctifier, l'homme charnel n'aime pas la sainteté. Il se plaît, n'est-ce pas, à se livrer aux œuvres de Dieu de sa chair. C'est le caractère de l'homme charnel. Et ici, la particularité, comme Paul l'a dit, c'est que l'homme charnel n'héritera pas le royaume de Dieu, frère. Donc cet évangile, selon lequel on ne peut avoir le salut, est un évangile diabolique. Parce qu'ici on apprend que tu peux avoir accepté Jésus, mais lorsque tu marches sur les passions de ta chair, tu es considéré comme un homme charnel et tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Parce que justement le salut se perd. Alléluia. Donc ici frère, on entend le peuple du deuxième type d'homme, l'homme charnel. L'homme charnel, n'est-ce pas? Il n'aime pas la communion fraternelle. L'homme charnel, n'est-ce pas? Il aime le péché. Et comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans l'Éphésiens 4 qu'on a lu, l'homme charnel se comporte comme l'homme animal, comme l'homme humain simplement. Il se soumet à la bestialité de l'homme. Frère, on va comprendre notre passage. On est dans Romains.
Romains chapitre 6. On va lire le verset 13. Non, Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 11. Donc, frère, le but de ce partage, c'est que chacun de nous se retrouve. Est-ce que tu es un homme animal? Est-ce que tu es un homme charnel? Ou le troisième point, tout à l'heure, qu'on verra un homme spirituel. Parce que comme on l'a déjà vu, l'homme animal, il est étranger à la vie de Dieu et il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pareil pour l'homme charnel. N'est-ce pas? L'homme charnel, il a certes accepté le Seigneur dans sa vie, mais il vit selon ses pulsions et lui aussi n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc, frère, où nous trouvons-nous? Est-ce qu'on est homme animal? Est-ce qu'on est homme charnel ou homme spirituel? Amen. Donc, ici dans Romains chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible dit: De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs. Verset 13. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme de morts étant devenus vivants. Et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Donc, on va garder le pas sur l'écran. Donc, ici, on apprend que l'homme charnel, il offre ses membres au péché comme des instruments d'iniquité. Amen. L'homme charnel, n'est-ce pas? Il offre ses yeux à la convoitise de Dieu. L'homme charnel aime la convoitise de Dieu. Il aime convoiter les femmes. Il aime regarder derrière les femmes. C'est ça l'homme charnel. Il livre ses membres au péché. Il livre sa bouche aux congossa, aux critiques, aux propos impurs. Il livre ses oreilles à écouter les propos obscènes. Il livre ses yeux, n'est-ce pas, à regarder la pornographie, à regarder des films impudiques. Il a l'homme charnel. Il livre ses membres au péché comme des instruments d'iniquité. Amen. Alors que Paul ici nous apprend quelque chose, qu'on doit plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'on est né d'en haut, parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on a reçu Jésus, n'est-ce pas, qui nous a donné la force de ne plus être esclaves du péché. Mais malgré l'œuvre de la croix, l'homme charnel, n'est-ce pas, il refuse, n'est-ce pas, de marcher, d'obéir à la parole de Dieu. Verset 14, il dit, car le péché ne dominera plus sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, que ça n'arrive jamais. Amen. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc on apprend ici que lorsqu'on livre, lorsqu'on s'offre, n'est-ce pas, il dit? Voilà que lorsqu'on s'offre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, on est esclave de cette personne. Et l'homme charnel, malheureusement pour lui, bien qu'ayant rencontré Jésus un jour, il est néanmoins esclave du péché. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. L'homme saint ne veut pas obéir à la parole de Dieu. L'homme saint ne veut pas obéir à l'esprit de Dieu. L'homme saint, n'est-ce pas? Il n'aime pas la présence de Dieu. Voici pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation. Et mes frères, j'aimerais nous encourager à sortir de là. Homme charnel, tu peux quitter l'homme charnel, l'homme spirituel, c'est possible. Il faut que tu obéisses à la parole. Il faut que tu te soumettes à l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc ce message, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour d'abord nous amener à nous situer. Si tu sortis de ce message, tu te retrouves dans l'homme charnel. Il faut que tu sortes de là. Parce que les hommes charnels n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'homme charnel, lorsque Dieu lui demande de se réveiller la nuit pour prier, il n'est pas prié, il ne se réveille pas, il est tout dans la désobéissance. L'homme charnel est dans la désobéissance à la parole de Dieu. L'homme charnel est dans la désobéissance à la volonté de Dieu. L'homme charnel n'écoute pas Dieu. Il n'obéit pas au Seigneur. Amen. L'homme charnel aime le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, Jean là-bas, le vieillard, n'est-ce pas, nous encourage, il disait, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont de le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'homme charnel aime le monde. Il aime le luxe, comme on l'a vu. Il aime l'habillement, il aime la vandalisme, il aime se faire voir. Il dit que l'amour du monde, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise de Dieu et c'est l'orgueil de la vie. Il se met l'homme charnel se retrouve dans ces choses, dans la convoitise de la chair.
C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est désirer l'interdit. Donc, lorsque tu désires, lorsque tu envies, n'est-ce pas, tu envies ton prochain parce qu'il est bien habillé, c'est de la convoitise. Lorsque tu envies un homme parce qu'il a une belle maison, il a une belle femme, c'est de la convoitise. La convoitise, c'est désirer l'interdit. L'homme, sur un chemin, il convoite. Il convoite. Il est dans l'amour du monde, l'homme charnel. Il aime le monde. Il se plaît dans le monde. L'homme charnel, n'est-ce pas? Il a des compagnies païennes. Il peut se retrouver avec des amis païens à parler de sexe, à parler de femmes, mais jamais il va prêcher l'évangile. L'homme charnel, il ne prêche pas l'évangile parce qu'il sait que ce n'est pas un modèle. Parce qu'il sait que ce n'est pas un modèle. L'homme charnel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas une lettre écrite. Pourquoi? Parce qu'il aime la chair. Il aime les désirs de la chair. Il aime les passions de la chair. Il aime le monde. Et donc Jacques là-bas, n'est-ce pas? La Bible dit, Jacques le dit. Quiconque aime le monde, n'est-ce pas, est ennemi de Dieu. L'homme charnel, il aime le monde. Il est ennemi de Dieu, justement. Il est dans la convoitise de la chair. Il est dans la convoitise de Dieu. Il est dans l'orgueil de la vie. Et là, on retrouve les chrétiens de Corinthe. L'orgueil, la vantardise, les divisions, les disputes, les jalousies, les envies. Voilà, c'est le désir de la chair. Frère, si on se retrouve à l'intérieur, repentons-nous et demandons à Dieu de nous aider. Parce que comme on l'a vu, l'homme charnel n'héritera pas le royaume des cieux, frère. À l'instant où tu suis cette émission, quelle est ta position devant Dieu? Est-ce que tu es homme naturel? Est-ce que tu es homme charnel? Ou est-ce que tu es homme spirituel, comme on va le voir tout à l'heure? Parce que comme on ne fait que le voir, l'homme charnel, n'est-ce pas, il n'aime pas les choses de Dieu. L'homme charnel, il n'aime pas écouter lorsqu'on lui prodigue des conseils. Pour lui, les autres abusent toujours. L'homme charnel, n'est-ce pas, il est dans les ténèbres, il est dans les cachotteries. Voilà, il fait des choses en cachette. Il aime les ténèbres. L'homme charnel, n'est-ce pas, il prend plaisir aux œuvres des ténèbres. Il ne peut pas les condamner. Parce que justement, lui-même, il se retrouve à l'intérieur. Donc, frère, quelle est notre position? On va prendre un autre passage dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du premier verset. Donc, Éphésiens chapitre 5 à partir du premier verset. Il dit, soyez donc des imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. Et ne marchez pas dans la et marchez dans la charité, tout comme le Christ aussi nous a aimés et fait livrer lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Il dit que les relations illicites, que les relations sexuelles illicites, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on entende, verset 4, ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais plutôt des actions de grâce. Donc ici, on voit Paul qui donne la conduite qu'on doit avoir. Mais l'homme charnel, il fait le contraire. L'homme charnel, pour lui, peut dire des grossièretés. L'homme charnel, il est toujours, il aime les plaisanteries. Alors, je souhaiterais quand même apporter un équilibre par rapport aux plaisanteries. Plaisanterie ici, ce n'est pas le fait de rigoler entre frères. Voilà, on est entre frères, on est en famille. On peut rigoler, on peut se taquiner entre nous. Ici, les plaisanteries, c'est dont il s'agit, c'est les plaisanteries, n'est-ce pas, qui tournent vers la moquerie. Justement, dans 1 Pierre chapitre 3, prenons-le. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, on va lire à partir du verset 1er verset même. Donc ici les plaisanteries dont il s'agit, c'est pas le fait de rigoler, voilà. On est sur terre, voilà, on peut rigoler. On peut s'amuser en famille, entre frères, entre sœurs, voilà. Voilà, les plaisanteries c'est plaisanteries qui tournent vers la moquerie. Donc il dit, mes bien-aimés, c'est la seconde lettre que je vous écris afin de réveiller dans l'une et dans l'autre par mes avertissements, les sentiments purs que vous avez. Et afin que vous, sou- vous,
afin que vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Verset 3. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre désir. Voilà. Donc ici, verset 4, et disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dans le commencement de la création. Voilà. Donc ici, les plaisanteries, c'est la moquerie. C'est la moquerie. Voilà. Donc les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand il dit que lorsqu'un chrétien ne doit pas plaisanter, un chrétien doit pas être dans les moqueries. Des moqueries ou les blagues qui tendent vers le mensonge. Par exemple, tu vas prendre l'argent de ton frère par exemple, en cachette, sans lui dire. Et puis après, il va chercher son argent, il va te demander, tu vas dire, ce n'est pas moi, c'est du mensonge. Après ça, tu vas dire, non, c'est moi, c'est avec moi, mais c'est du mensonge. Donc ce genre de blague, le chrétien ne doit pas le faire. Si, par exemple, tu veux t'amuser avec ton frère, je prends un cas de figure, le même cas de figure. S'il a pris son, tu as pris son argent en cachette, par exemple, et qu'il ne te demande pas, et qu'il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, sans te demander, ok. Et puis après, tu peux lui donner pour le taquiner. Mais s'il te demande et que tu dis, c'est pas avec moi, et après que tu dis que c'est moi, là, c'est du mensonge, c'est pas une bonne blague. Voilà, donc, chrétien, on doit faire attention à nos blagues et à nos plaisanteries. L'homme charnel, justement, il aime les blagues, il aime les plaisanteries. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Et comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 3 là-bas, c'est un enfant en Christ. L'homme charnel, n'est-ce pas, il n'arrive pas à dissocier sa gauche de sa droite. Il se livre, il se plaît dans le mal. Amen. Donc frère, si tu te retrouves à l'intérieur, tu peux te repentir, tu peux chercher la face de Dieu et te réconcilier avec Dieu. L'homme charnel, il ne peut pas prier 5 minutes. Pas prier 30 minutes, lorsqu'il a prié 2 minutes, il n'a plus rien à dire à Dieu. Ce n'est pas normal, chrétien. Tu n'arrives pas à passer 30 minutes avec Dieu alors qu'on peut facilement passer 3 heures, 4 heures devant la télévision. Ce n'est pas normal, chrétien. Ne sois pas des hommes charnels, car les hommes charnels n'hériteront pas le royaume des cieux. L'homme charnel, n'est-ce pas, il livre justement, comme on l'a vu, ses membres au péché. Il livre ses sens au péché. Il livre ses mains, par exemple, à la masturbation. Il est chrétien, il a accepté Jésus, mais il se masturbe. Homme, femme, il livre ses pieds, n'est-ce pas, aller vers les prostituées, aller vers le mal, vers les boîtes de nuit. On a des chrétiens aujourd'hui qui sont nés de nouveau, mais qui mentent, qui trichent parce qu'ils sont charnels. C'est des hommes charnels. Et frère, tu peux le prendre à la légère. Repartons dans Ephésiens 5, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit. Quelque chose que l'Esprit de Dieu vient de me dire là. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 30. Donc l'homme charnel, il a accepté Jésus, mais parce qu'il se livre à sa chair, il, par son péché, verset 30, donc il dit ici, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance et avec toute malice soit bannie du milieu de vous. Mais l'homme charnel, il est dans l'amertume, il est dans la colère, il est colérique, dans les irritations, il est dans les clameurs. Les clameurs, c'est les éclats de voix, il aime toujours crier, menacer les autres, hausser le ton, dans les clameurs. La médisance, il est dans l'amertume, la médisance, il est dans l'amertume, dans la colère, dans la malice, il est dans la ruse. L'homme charnel. Justement, à cause de toutes ces choses, comme on l'a vu au verset 30, l'homme charnel attriste l'Esprit de Dieu. Et Paul, ici, au verset 30, dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Mais l'homme charnel, par sa conduite, il attriste justement l'Esprit de Dieu. Et, frère, si tu continues à attrister l'Esprit de Dieu par tes péchés répétés, si tu continues à attrister l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu te demande d'aborder certaines choses que tu refuses, sache qu'il finira par s'éteindre et par partir. Oui, frère. L'homme charnel, Dieu peut lui dire, je ne veux pas que tu suives la télévision, il va désobéir. L'homme charnel, Dieu peut lui demander d'arrêter telle relation. Il va continuer. Et justement, comme on le voit après dans 1 Thessaloniciens là-bas 5, après avoir touché l'Esprit de Dieu, on finit par l'éteindre. Lorsqu'on l'éteint, on éteint le chandelier, on redevient païen, on redevient homme, on redevient païen, on redevient homme animal, c'est le sens de la séparation avec Dieu. Parce que l'homme charnel,
Il a besoin, n'est-ce pas? Il peut, s'il le veut, se soumettre, revenir au Seigneur. Amen. Donc, frère, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous encourager, c'est pour nous aider. Donc, on a vu les caractéristiques de l'homme animal, on a vu les caractéristiques de l'homme charnel, et on a vu qu'on peut être homme charnel, n'est-ce pas? Et si Dieu, si on le veut, on peut devenir homme spirituel. Pourquoi? Parce que lors de la naissance, donc on a reçu l'Esprit de Dieu. Justement, l'homme charnel, il attriste l'Esprit de Dieu, mais s'il se répand et s'il renonce à ces choses, il peut redevenir spirituel et marcher par l'Esprit. Voilà. Donc, Paul le disait aux chrétiens de Galates, que je m'étonne que si promptement vous détourniez, n'est-ce pas, de la foi véritable, du salut véritable. Et là, l'homme charnel, il se détourne promptement de la parole de Dieu. Il se détourne promptement, n'est-ce pas, de la vie de Dieu, de sa vie de prière, de sa vie de méditation. Vous allez voir beaucoup de choses. Et il aime les mauvaises compagnies. Alors que dans Corinthiens 15, là-bas, n'est-ce pas, verset 33, Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais l'homme charnel, il est dans les mauvaises compagnies. Donc, frère, sortons de ces choses. Et revenons au Père. Amen. Donc, pour terminer notre partage, on va parler du troisième type d'homme, l'homme spirituel. Amen. L'homme spirituel, c'est la dimension que Dieu souhaiterait pour tous ses enfants. L'homme spirituel, c'est la dimension que Dieu veut pour toi, il veut pour moi. Amen. Et pour préciser, voilà, on peut être spirituel et par moments avoir des conduites charnelles. Amen. Voilà, l'homme charnel, lui, il est complètement charnel, il se plaît dans la chair. Il vit constamment dans le péché, il n'obéit pas à Dieu, il désobéit, voilà. Mais pour nous, les hommes spirituels, n'est-ce pas, il peut arriver qu'on ait des attitudes, des comportements charnels. Mais ça, je parle des hommes charnels, amen. Donc, un homme spirituel, voilà, qui ne veille pas, il peut avoir une conduite, un comportement, une réaction charnelle. Mais vite aussi, il se reprend, amen. Dieu veut qu'on soit des hommes spirituels. Donc, on va aussi développer par la grâce du Seigneur les caractéristiques de l'homme spirituel. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2 déjà. Le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, qui était notre passage de base. Donc, on va parler de l'homme spirituel et on va terminer notre partage par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 15. Voilà. Il dit, mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Donc, l'une des premières caractéristiques de l'homme spirituel ici, c'est que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Pourquoi l'homme spirituel a la pensée de Christ? Parce que lors de la naissance d'en haut, il a reçu l'Esprit de Dieu et il se force de marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme spirituel, c'est qui? C'est cet homme qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, n'est-ce pas? Et qui accepte de marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc, une caractéristique de l'homme spirituel, une des caractéristiques, c'est que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Parce que justement, pour vivre dans cette génération perverse, cette génération corrompue, il faut avoir la pensée de Christ. L'homme spirituel, n'est-ce pas, a les sentiments de Christ en lui. Verset 15, n'est-ce pas, comme on l'a vu, l'homme spirituel discerne toutes choses. Et il ne juge pas. Pourquoi? L'homme spirituel, en l'autre, il se juge lui-même. L'homme spirituel s'examine lui-même. Il examine sa façon de marcher. Facilement, l'homme spirituel sait quand il devient charnel. Il sait que là, j'ai mal agi. J'ai mal répondu, j'étais charnel, je convoitais, Seigneur, pardon. L'homme spirituel, c'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais. Un homme spirituel, c'est pas un homme qui est infaillible. Non. L'homme spirituel a des manquements, il a des faiblesses. Mais différemment de l'homme charnel, il ne se plaît pas à l'intérieur. L'homme spirituel ne se plaît pas dans le péché, il ne se plaît pas dans la chair. Durant la marche, il y a des temps de faiblesse. Même l'homme spirituel peut baisser dans la prière, dans la méditation. Oui, frère. Le but de mon message, ce n'est pas de vouloir nous mystifier. L'homme spirituel peut baisser dans la prière, il peut baisser dans la méditation. Mais lorsqu'il est dans le temps de faiblesse comme ça, il est mal. Parce qu'il sent, il sait que cette position n'est pas agréable à Dieu. Il se bat pour revenir. L'homme spirituel peut baisser. Parfois, l'homme spirituel ne peut pas de la vision du ciel. Mais lorsque l'Esprit de Dieu l'interpelle, il se répond, il revient vite sur le droit chemin. Comme David à l'époque, il disait, regarde ce que je suis Yahweh sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le sentier de la justice. L'homme spirituel, il est sensible à la voix de Dieu, il a la pensée de Dieu. L'homme spirituel a la pensée de Dieu. Alléluia. L'homme spirituel, n'est-ce pas, c'est pas, il n'est pas comme Dieu.
qu'est-ce que j'ai envie de nous, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est Dieu qui est parfait. Jésus est sans péché. Mais l'homme spirituel, c'est un homme animal, n'est-ce pas, que Jésus a sauvé et qui est devenu spirituel. Mais malgré qu'on est homme spirituel, la nature animale est quand même en nous. Oui, parce que la nature animale, n'est-ce pas, Dieu va nous délivrer de cette nature lorsqu'il reviendra. On est sans spirituel parce qu'on marche sur l'esprit de Dieu, mais la nature animale est toujours en nous. Voici pourquoi on peut être fatigué. Voici pourquoi on peut parfois avoir des désirs que Dieu, qui n'honore pas Dieu. On est spirituel parce qu'on marche sur l'esprit. Mais la nature animale est toujours en nous. Le vieil homme est toujours là avec ses désirs. Alléluia. Donc l'homme spirituel, ici, on apprend qu'il a la pensée de Dieu. L'homme spirituel, c'est qui, n'est-ce pas? Il s'examine lui-même. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un frère vienne lui dire, frère, donc tu aurais dû faire ça, tu n'as pas fait ça, tu te comportes comme ci, comme ça. Non, l'homme spirituel, il sait parce qu'il a l'esprit de Dieu et parce qu'il écoute l'esprit de Dieu que là, il a mal agi, que là, il doit demander pardon. Donc, l'homme spirituel, c'est un homme qui est irréprochable. Pas irréprochable parce qu'il ne commet pas d'erreurs, mais irréprochable parce que lorsqu'il commet des erreurs, il sait demander pardon. Lorsqu'il a péché, il peut s'humilier devant Dieu, demander à Dieu pardon et il ne va pas recommettre les mêmes choses. Parce que comme la Bible dit dans 1 Jean, n'est-ce pas, que celui qui dit 1 Jean 2 là-bas, je crois, que celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur. Donc l'homme spirituel, ce n'est pas un homme qui est sans péché. Le seul qui est sans péché, c'est Dieu. Mais l'homme spirituel, sa particularité, c'est qu'il est conduit par l'esprit. C'est qu'il se soumet à l'esprit de Dieu. La particularité de l'homme spirituel, n'est-ce pas, c'est que lorsqu'il a faibli, lorsqu'il a failli, et que l'esprit l'interpelle, n'est-ce pas, il se répand et il avance. On a vu ici que l'homme spirituel a la pensée de Christ. L'homme spirituel, n'est-ce pas, a le fardeau du Seigneur. On va prendre un passage. Dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Donc, l'homme spirituel, n'est-ce pas, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il marche, il obéit à la parole. Donc ici, on est dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, « Ayez en vous la même pensée qui est en Jésus. » On a vu là-bas que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Donc ici, l'homme spirituel, il se bat, il se force, il se fait bien pour avoir la pensée, pour avoir la même pensée que Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Donc l'homme spirituel se bat pour ne pas être orgueilleux. Cependant, il s'est vidé lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'homme spirituel, il est humble. L'homme spirituel, il est obéissant, il obéit à la parole de Dieu, il obéit à l'esprit de Dieu. Donc on apprend que l'homme obéissant, il se bat, il se fait jalouse pour avoir la pensée de Christ. Pour manifester la nature, le caractère du Seigneur, c'est l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel se bat pour avoir les sentiments de Christ. Sentiments d'humilité, sentiments de simplicité, sentiments de douceur, de joie, de paix, de rigueur, de discipline, de fermeté. L'homme spirituel se bat pour ne pas pécher consciemment. C'est l'homme spirituel. L'homme spirituel aime la prière. Il aime la méditation de la parole de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Quand il sait qu'il est sorti de la présence du Père, il est mal. Parce que même à moi qui parle, ça m'arrive de sortir de la présence de Dieu. Oui, frère, je suis parfois important de parler de nous-mêmes. Prêcher n'est pas synonyme qu'on est arrivé, oui. Il y a des moments où je suis fatigué dans l'esprit, où j'ai du mal à prier et à méditer. Il y a des moments où j'ai envie de retourner dans le monde, de faire marche arrière. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Parce que je me bats pour être un homme spirituel, je refuse de me soumettre à cela. Il y a des moments où j'ai envie de draguer une fille, bien qu'étant marié, la pensée traverse l'esprit de convoiter. La pensée traverse l'esprit, n'est-ce pas, de pécher concernant contre Dieu. Mais la différence avec nous, hommes spirituels, c'est qu'on se bat pour ne pas se soumettre à ses pensées. Alléluia. Prenons Galates. Galates le confirme. Galates 5, qu'on a lu à partir du verset 16. Il dit, « Marcher sur l'esprit n'accomplirait pas les désirs de la chair. » Parce que justement, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, on est homme spirituel parce qu'on marche sur l'esprit, mais notre nature charnelle,
Elle est toujours là. Notre vieille nature est là. Donc elle veut tout se manifester. Donc l'homme spirituel se bat pour dompter sa chair. On n'est pas infaillible, frère. C'est Jésus seul qui est infaillible. Mais nous, en Jésus, l'Esprit nous donne la force d'être infaillible. Donc l'homme spirituel, n'est-ce pas, il se bat pour marcher sur l'Esprit. Prenons le souple, mes frères, Galates 5, à partir du verset 16. Je vous dis donc, marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc le secret, n'est-ce pas, pour marcher, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est marcher sur l'Esprit. L'homme spirituel, il se bat pour marcher selon l'Esprit. Et c'est quoi marcher sur l'Esprit? Marcher sur l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu, premièrement. C'est quoi marcher sur l'Esprit? Marcher sur l'Esprit, c'est obéir à ce que Dieu te dit dans le secret, mais qui n'est pas forcément écrit dans la Bible. Exemple, ce n'est pas un péché de suivre la télévision. Mais dans ta relation avec Dieu, Dieu peut te dire, mon fils, je ne veux plus que tu suives la télévision. Marcher sur l'Esprit, c'est obéir, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, même si d'autres frères peuvent suivre la télévision. Déjà marcher sur l'Esprit, c'est un, obéir à la parole de Dieu, mais c'est aussi obéir à ce que l'Esprit de Dieu te dit dans le secret. Ça marcher sur l'Esprit. C'est quoi marcher sur l'Esprit? Savoir les sentiments de Jésus, savoir la pensée de Christ. Un homme spirituel ne veut pas accepter, ne veut pas se réjouir de voir sa famille dans les ténèbres, de voir les hommes, la jeunesse, être, mourir comme ça et aller en enfer. Il va se lever pour proclamer le retour du Seigneur. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc ils sont d'abord qu'il n'y a pas de neutre. Ou tu marches par l'Esprit, ou tu marches par la chair. Et pour ne pas marcher sans la chair, il faut marcher par l'Esprit. Le secret, frère, pour ne pas tomber dans le péché. Le secret, n'est-ce pas, pour ne pas se corrompre, se compromettre, c'est de marcher selon l'Esprit. Donc on apprend ici que la chair et l'Esprit sont opposés. Alléluia. Mais notre nature animale, elle est en nous, hein, frère. Elle est en nous. Notre nature charnelle est en nous. Mais lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu, comme on l'a vu au début, notre esprit humain est renouvelé. Parce qu'on a vu que l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc à la naissance d'en haut, c'est notre esprit qui est renouvelé. Mais notre âme, notre corps, il est le même. Il est le même. Donc la naissance d'en haut, n'est-ce pas, ne convertit pas notre corps. Mais la naissance d'en haut, n'est-ce pas, c'est le renouvellement de l'esprit, de notre esprit. Donc, notre âme, n'est-ce pas, est toujours le même avec ses émotions, ses sentiments, ses désirs. Mais là, comment faire maintenant pour ne pas vivre sur les désirs de notre chair, de notre nature? Il faut marcher conformément à l'Esprit de Dieu. C'est quoi marcher sur l'Esprit? C'est avoir une vie de prière quotidienne, régulière et constante. C'est quoi marcher sur l'Esprit? C'est avoir une vie de méditation régulière, quotidienne et constante. C'est quoi marcher sur l'Esprit? C'est obéir, se soumettre à la parole et à la volonté de Dieu. C'est ça le secret pour ne pas tomber. Frère, le secret pour ne pas tomber, ce n'est pas faire de jeûne matin, midi et soir. Non, le secret pour ne pas tomber, c'est obéir à l'Esprit de Dieu, c'est marcher sur l'Esprit. On va revenir sur le partage, frère, s'il vous plaît. Alors, je bénis Dieu pour ce partage, ça m'encourage. Verset 18. Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc on comprend ici que lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on n'est plus sous la loi mosaïque. Alléluia. Donc verset 19, car les œuvres de la chair sont évidentes, on l'a déjà lu, on va descendre un peu à partir du verset 21, s'il vous plaît. À partir du verset 22. La Bible nous parle ici du fruit de l'Esprit. C'est quoi marcher par l'Esprit? Marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est manifester le fruit de l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est manifester le caractère, la nature du Seigneur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité. Un chrétien spirituel doit manifester la charité. C'est quoi la charité? La charité nous parle d'avoir un, de l'amour agapé, de l'amour pour Dieu, de cet amour qui est désintéressé, mais aussi l'amour pour notre prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain nous parle d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, aimer nos parents, aimer nos familles, aimer nos frères dans le Seigneur. C'est ça la charité. Et la charité, ce n'est pas simplement aimer en parole, c'est aimer par des actions. La charité, selon Dieu, nous parle du pardon. La charité, selon Dieu, nous parle des bonnes œuvres. Donc l'homme spirituel a manifesté la charité. Un homme spirituel n'est pas égoïste. N'est-ce pas, le fruit de l'esprit nous parle encore de la joie. La joie, n'est-ce pas, c'est quoi? Fait sentiment de paix. C'est quoi la joie? C'est pas le fait simplement de toujours rire. La joie nous parle de l'assurance, même quand tout va mal.
La joie, n'est-ce pas, nous parle de la confiance en Dieu. La joie nous parle, n'est-ce pas, du sentiment de calme, ce sentiment paisible. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. C'est ça la paix. Shalom. Le calme, la tranquillité. Là, le fruit de l'esprit nous parle de la patience. Donc, ils sont les caractéristiques de l'homme spirituel. Il manifeste le fruit de l'esprit. La patience. C'est quoi la patience? C'est le fait d'attendre. Le contraire de la patience, c'est la précipitation, c'est l'agitation. Un homme spirituel, il n'est pas agité, il ne se précipite pas, il ne court pas après le ministère, il ne court pas après le mariage, il ne court pas après les choses de la terre. Il est patient, il attend. Il attend la promesse que Dieu lui a faite dans le calme. La bonté nous parle du fait de faire du bien. C'est la bonté. La bienveillance, la bonne conduite. La bienveillance, c'est ça. Être bienveillant, c'est savoir parler, savoir se comporter, savoir se conduire. C'est la bienveillance. Être bienveillant, n'est-ce pas? Le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. Voilà. C'est la malveillance. Donc, on parle de quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui a des mauvais sentiments, qui a des mauvais désirs, voilà, qui fait du mal. Bienveillance, c'est faire du bien, c'est bien se comporter, c'est savoir parler aux autres. Le fruit de l'esprit nous parle aussi de la foi. La douceur et du contrôle de soi. La douceur. L'homme spirituel est doux. Amen. Il sait se contrôler. N'est-ce pas? Le fruit de l'esprit nous parle du contrôle de soi. Le contrôle de soi, n'est-ce pas, nous parle de quoi? De la maîtrise. De savoir se maîtriser. Le contrôle de soi nous parle de la maîtrise de sa bouche, de ses oreilles, de ses yeux, de ses sens. Le contrôle de soi, c'est la maîtrise de nos sens. Et l'homme spirituel, il se bat pour contrôler ses sens. La sœur peut te dire, va mentir, tu refuses de mentir. Ah oui, frère. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui n'est pas tenté. L'homme spirituel est tenté. L'homme spirituel est éprouvé. La sœur, comme on l'a vu, n'est-ce pas? On l'a vu ici, on le voit là, que la sœur a des désirs contre la sœur de l'esprit. Donc la sœur veut toujours amener à manifester des désirs, mais l'homme spirituel se bat pour ne pas se soumettre à cela. Qui a dit qu'un homme spirituel ne peut pas avoir les mauvaises pensées? Mais l'homme spirituel peut avoir les mauvaises pensées. Mais lorsque ces pensées arrivent, l'homme spirituel refuse de les nourrir. Il les chasse au nom de Jésus. Une jeune fille peut passer, l'homme spirituel, la sœur peut te dire qu'on va drague. Parce qu'on est humain, la nature animale est en nous. Mais l'homme spirituel va refuser. Alléluia. C'est ça l'homme spirituel. Lorsque le péché se couche à ta porte, toi tu refuses de faire comme Caïn. Tu agis comme Dieu a dit. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. L'homme spirituel, il se bat pour dominer sur le péché. Pourquoi? Parce qu'il réalise la puissance de l'œuvre de la croix. L'homme spirituel n'est pas esclave du péché. Il n'est pas esclave de sa chair, de ses désirs, de ses pulsions, frère. L'homme spirituel, n'est-ce pas, il se bat pour honorer Dieu, pour craindre Dieu, pour se sanctifier. C'est ça l'homme spirituel. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. L'homme spirituel, ce n'est pas un standard. On grandit dans la marche par l'esprit. On grandit, frère. Je peux être spirituel à des niveaux, être charnel à des niveaux, mais moi qui parle. Alléluia. Je n'ai pas de prétention d'être un homme spirituel parfait. Non, on se bat pour des hommes spirituels pour grandir à l'intérieur, frère. Dieu nous attend plus loin. On a des victoires en portant avec Dieu. C'est pas chrétien. Sortons, n'est-ce pas, de la chair. Sortons du péché. Sortons, n'est-ce pas, des poussons de notre chair. Marchons comme Paul. On est dans Corinthiens 9, frère. On est dans Corinthiens 9. Là, je sens que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, me donne de parler, que Dieu m'aide à canaliser tous les passages. Il y a tellement de pardon dans mon esprit. J'ai envie de tout donner en même temps. 1 Corinthiens 9, verset 27. L'homme spirituel, n'est-ce pas, il se bat. Il discipline sa chair. L'homme spirituel, ce n'est pas un paresseux, ce n'est pas un léger, ce n'est pas un charnel. L'homme spirituel, il a des manquements, il commet des erreurs, mais il sait se battre pour se relever. 1 Corinthiens 9, verset 27. À partir du verset 25, on va remonter un peu. On va encore remonter, verset 24. Verset 23. Donc 1 Corinthiens 9 à partir du verset 23. Je fais cela à cause de l'évangile, afin d'en devenir aussi participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je cours donc, mais non pas sans savoir comment. Je combats, mais non pas comme battant l'air. Mais je mortifie mon corps
Et je le traite en esclave, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir péché aux autres. Voici l'attitude de l'homme spirituel. Ici, il dit, je traite durement mon corps, je mortifie. L'homme spirituel mortifie son corps, il mortifie sa chair. On est au verset 27. Mais je mortifie mon corps, je le traite en esclave. Vous voyez, l'homme spirituel, il n'est pas esclave de son corps, mais son corps est esclave de lui. Est-ce que vous voyez la différence? L'homme charnel, il est esclave de son corps, esclave de ses pulsions. Il fait tout ce que ses pulsions lui demandent de faire. Mais l'homme spirituel, il dit, je mortifie mon corps, je le traite en esclave. Donc, l'homme spirituel, même quand sa chair lui dit, va voler, il dit, je ne vole pas. Sa chair lui dit, va combattre, il dit, je ne combatte pas. Sa chair lui dit, n'est-ce pas, pêche, il dit, je ne pêche pas. Donc, il traite son corps en esclave, de peur d'être désapprouvé, oui, frère. Parce que Paul avait compris qu'on peut être spirituel et basculer du jour au lendemain dans la chair. C'est pourquoi il dit qu'il traitait durement son corps. L'homme spirituel se bat pour traiter durement son corps, de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres frères. On a encore dans un autre passage dans Romains. Romains 7. On finit bientôt. Romains 7. Le verset 14. Non, Romains 7, mes frères, on va prendre à partir du verset 5. À partir du verset 5, s'il vous plaît. Romains chapitre... Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Donc, frère, que Dieu vraiment nous réveille, que Dieu nous relève, que Dieu nous restaure, frère. On doit être des hommes spirituels. On doit être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, on est dans Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Donc on a pensé que ceux qui pensent, les hommes charnels pensent aux choses de la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Verset 5. Or les pensées et les buts de la chair, c'est la mort. Merci Seigneur. Les hommes charnels, n'est-ce pas, le désir de la chair nous a mené à la mort. Mais les pensées et les buts de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc la marche par l'esprit nous conduira au ciel. La marche par l'esprit, n'est-ce pas, nous communique la vie de Dieu. C'est pourquoi quand on voit un chrétien charnel, et pourtant il est vivant, n'est-ce pas, mais quand on spirituel, un homme charnel, il voit qu'il est tiède, qu'il est fade, qu'il est mort. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le but des yeux, des pensées de la chair, les yeux de la chair, c'est de nous amener à la mort. On est au verset 7. Parce que les pensées et les buts de la chair sont inimitiés contre Dieu parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu et qu'ils n'en sont même pas capables. Donc on comprend que l'homme charnel ne peut pas obéir à la parole du Seigneur. Verset 8. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc on bascule. L'homme charnel ne peut pas plaire à Dieu. Un chrétien qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Il dit, quant à vous, verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on comprend que les païens, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, les inconvertis, ils n'appartiennent pas au Père. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc on comprend que si Jésus habite en notre corps charnel, on a le crucifié. Ceux qui sont en Christ, selon Galates là-bas, ont crucifié la chair et ses désirs. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rend aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non pas envers la chair, pour devoir vivre sur la chair. Amen. La Bible dit qu'on ne doit plus rien à la chair. Nous sommes débiteurs. Nous sommes débiteurs, mais non pas sur la chair pour vivre sur la chair. Donc on ne doit rien à la chair, mais on doit tout à Dieu. Donc on apprend que Paul dit qu'on est débiteur, mais pas sur la chair. Donc on ne doit rien à notre cher frère. On doit quelque chose à Dieu. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Donc ici, il dit, nous ne devons rien à la chair. On n'est pas débiteur de la chair. Débiteur. Verset 13. En effet, si vous vivez sur la chair, vous mourrez.
Mais fille par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc on apprend ici, n'est-ce pas, que pour faire mourir les actions de notre corps, laisser notre corps, il faut marcher selon l'esprit, frère. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on apprend ici que les hommes spirituels sont considérés comme étant les fils de Dieu. Oui, frère, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous chrétiens, que nous soyons des hommes spirituels, que nous soyons conduits par l'Esprit. Dieu veut que nous marchions selon l'Esprit. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Amen. Frère, c'est vraiment pour nous encourager par rapport à ce marché des trois types d'hommes. Où nous retrouvons-nous? Quel type d'homme es-tu? Es-tu un homme animal? Un homme animal, c'est l'inconverti qui n'a pas reçu Dieu. Tu peux quitter d'homme animal à homme spirituel en passant par la naissance nouvelle, par la naissance d'en haut. Tu es homme charnel parce que tu as reçu Jésus-Christ, mais tu marches selon ta chair. Tu peux quitter d'homme charnel à homme spirituel en te soumettant à l'Esprit de Dieu et en marchant selon l'Esprit de Dieu. Tu es homme spirituel, ne te contente pas de ta vie avec Dieu. Désire encore plus. Oui, tu marches déjà par l'esprit, mais désire encore plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels, c'est avec notre progression dans la foi. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme spirituel, on est censé progresser avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on est censé encore progresser, aller plus loin avec Dieu. Ne te contente pas de ta vie de prière, ne te contente pas de ta vie de méditation, ne te contente pas de ta vie de jeûne, ne te contente pas de la connaissance que tu as du Seigneur. Désire encore plus homme spirituel. Parce que on peut aussi basculer si on ne veille pas de homme spirituel à homme charnel et de homme charnel à homme animal à nouveau, oui, frère. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage. J'ose croire de tout mon cœur que ce partage nous a aidés, nous a encouragés, nous a restaurés. Et si tu sens, tu reconnais que tu es homme charnel, repens-toi et demande à Dieu la force d'être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et on a vu tout dans notre partage les caractéristiques de l'homme spirituel. Et que Dieu vraiment nous aide, que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc, je vais prier pour terminer. Seigneur, sois béni pour ta grâce, sois béni pour ta parole, Seigneur. Tout ce que tu as dit ce soir me concerne moi-même le premier. Seigneur, nous voulons être des hommes spirituels. Tu connais nos manquements, tu vois nos faiblesses. Aide-nous, Jésus, à chaque jour nous améliorer, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à manifester ta nature, à manifester ton caractère. Que toute la gloire te revienne encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne soirée.